essayer de défier le wall en flèche. Et on va voir si c'est un succès. Restez connectés. Les gagnants. Le wall en flèche. Et vous pouvez avoir le blessing de titanium, auricalum, palladium, mithrilium. Armure de pauvreté et le palladium armure parce que quand vous tapez un ennemi ou alors n'importe quelle créature, votre vie va augmenter grandement. Vous aurez aussi besoin d'un ami pour qu'on va de votre côté. Un imp, je vous conseille. Et aussi le mini choc. Et bien sûr, un Godly Sanctuary. Et le plus important, une potion de vie. Celle-là. Le Healing Potion. Et le bonus, c'est Greatly Increased Life After Striking an Enemy. Warrior Emblem, Obsidian Skull, Harpy Wings, Or Mud Carpet Fairy et Breeze Lucky. Maintenant, direction Underworld. Le Sanctuary, c'est pour la lumière. Mais on n'aura pas besoin de lumière où on va. Des fois, il y a des petits imprévus comme les slimes qui vous attaquent et qui vous font sortir. Et aussi les bonnes chapelles. On prend le titanium sword. Et ensuite, on va explorer pour voir si on en trouve. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Que des créatures. Finalement, on voit le démon. Voici ce que nous cherchons. La peluche. Maintenant, et on va l'attaquer dans 3, 2, 1. Oh, on a mal fait. Et voici un Shadow Chess. Il y a des fois, c'est là que j'ai eu mon Drax. Donc Godly Drax dans un de ces Shadow Chess. Mais pour unlocker, on voudra un Shadow Key qui open tous les Shadow Chess. Et le Shadow Chess, c'est ça. Regardez. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Un Godly Drax. C'est la chance. Si vous explorez à lui-même, vous finirez par en trouver.
aussi plein de potions. Comme celui-là. Celui-là. Godly Drax. Et Meteorite Ball. D'ailleurs, il faut vous déposer des trucs. Comme une offrande. Et ensuite, vous prenez. Ça, ça. Ça aussi. Ça aussi. Maintenant, regardez ça. La magie du téléportation. Là-bas, c'est un jungle spawn. Maintenant, vous savez comment on fait avant un Godly Drax. A plus!